Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion, heureux de vous retrouver. Alors vous allez voir, j'ai pas chômé, mais bon, on est encore loin du compte, j'ai vu vachement trop grand. Comme je disais la dernière fois, c'est très très grand par rapport à ce que je pensais à la base, je pensais pas m'être autant agrandi en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà un état des lieux de ce que j'ai fait et on va revenir pour le sujet du jour. Donc le sujet du jour, vous verrez, c'est les escaliers d'entrée. Bon, pour l'instant, on va faire un petit tour. Hop, on se remet, première personne. Donc je vous ai montré le pattern. Donc comme vous voyez là, pour l'instant, j'en suis là. Donc j'ai fait jusque là-bas derrière. Alors attendez. Faut que je me presse, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de saccager mes cultures. Je n'arrête pas de flinguer les blés. Donc voilà, on fonce. Histoire que je vous montre ça. Alors autant vous dire que le désert il a bien pris dans sa tête là au niveau du village du désert. Alors déjà que c'était désert au niveau des villageois vu que les bandits les avaient tous massacrés. Mais alors là je vous dis même pas, il va avoir de l'eau à perte de vue. Là où il y avait un désert, ça va devenir une nouvelle mer où je pourrais donc voilà. Alors en gros je suis arrivé jusque là pour ce qui est ouais, alors attendez un petit peu plus loin peut-être, voilà les arches. Donc les arches jusqu'ici en fait c'est complet. Là il me reste le deuxième niveau à faire, mais il faut que je le fasse par le dessus. Comme vous voyez, il y a le bois, donc en fait ça me demande mais énormément énormément de ressources. Donc vous voyez, et là je suis que au niveau de ouais c'est ça, je suis encore au niveau de la jungle en fait. Après il y a encore tout le désert là-bas, il y a l'océan derrière, il y a les marécages, il y a la jungle pour revenir sur la cabane quoi. C'est immense immense. Et donc je suis arrivé là jusque pour les arches. Je sais pas si je vais tout faire d'un coup, je pense que je vais faire en plusieurs fois hein, parce que ça commence à m'énerver un petit peu. Dans le sens où ouais, enfin c'est chaud quoi, c'est soit on est dans le désert en train de miner du sable, soit on est dans la petite forêt que je me suis aménagée là pour couper du bois. Donc voilà, ah ouais, au niveau, donc ça c'est au niveau des arches, mais par contre après vous avez aussi toute la particularité, c'est le bois. Parce que le bois en fait avec ça on fait tout le truc, et comme vous voyez, ouais. On arrive à peu près avec le bois. On va arriver peut-être au sable. Mais encore. Enfin, je veux dire au désert. Alors, c'est pas ce désert-là. Hein. Je prends pas sur les déserts qui sont juste à côté. J'ai un marchand qui s'est foutu là-haut. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais retrouvé ces lamas par contre. Il y a deux lamas qui doivent se balader. Je sais pas où. Et je sais pas ce qu'il fait en haut. Ouais, ben, je sais. Si tu descends, tu vas te faire mal par contre. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé sur tout ce qui est bois là. Même les arches, hein, regardez. J'en ai fait quand même pas mal. Je vais continuer après, mais ça je continuerai hors caméra. Donc voilà, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal de boulot. Bon bah ça continue encore plus loin. Ouais, bon, je vais pas vous faire un épisode là-dessus. Mais bon, comme vous voyez. Donc là, première constatation, j'ai planté partout. J'ai défoncé la dalle. J'ai déménagé mes coffres. J'ai cassé tout ce que j'avais comme repère. Et donc en fait, le système d'escalier, comme je vous disais, je me suis inspiré. Donc là, pareil, j'ai remonté aussi ici l'eau pour pouvoir planter ici parce que ça m'énervait d'avoir un petit espace. Donc comme je vous disais, escalier que je veux. Je me suis inspiré de la double arche. Comme vous pouvez voir, vous la retrouvez ici, cette double arche. Sachant qu'ici, il y a une partie en plus pour dire de créer un décalage pour aller vers le bas, comme vous pouvez le voir. Donc à chaque fois, vous avez cette double arche qui est ici, là. Donc ça s'arrête à ce niveau-là. Et j'ai rajouté ce petit truc-là qui fait une descente en plus. Pour automatiquement faire une descente au fur et à mesure. Et c'est toujours pareil en fait. On reprend l'escalier d'après au niveau de l'escalier d'avant, du plus bas de l'escalier d'avant. Je sais pas si je me fais comprendre, mais enfin voilà. Donc voilà un peu dans l'idée. Moi l'intérêt que j'y trouve, c'est ça. C'est quelque chose de léger. Je voulais pas quelque chose de massif. Autant la muraille là de base, je la voulais vraiment impressionnante et massive et très
comment dire, très impressionnante dans le sens où elle est, on voit qu'elle est robuste. Autant les escaliers, c'est quelque chose qu'on peut sacrifier très rapidement en fait. Et flinguer très rapidement. Il suffit de casser 2-3 colonnes et c'est terminé, il n'y a plus d'escalier. Donc voilà. Alors, c'est pas terminé, hein. Évidemment. Il va falloir qu'on refasse de ce côté-ci. Et c'est un double escalier, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi le refaire de ce côté-là. Ça, c'est le centre, en fait. Mais bon, vous allez comprendre. Bon, on va s'y mettre, hein. On va arrêter de discuter. Donc jusque-là, en fait, je montais par ici. On peut dire au revoir. Allez, hop, on détruit tout ça. Voilà. Ça, je l'enlèverai un peu plus tard. De ce fait, ça, je vais le ranger. Hop, j'en ai plus besoin. Donc, comment je m'y suis pris? En fait, je suis parti d'en haut. Parce que je ne savais pas où ça allait arriver ici. Donc, si vous le faites, partez du moment où vous voulez arriver, en fait. Faut faire l'escalier à l'envers, c'est-à-dire qu'on part du point d'arrivée. Alors attendez, je vais voir si je peux. Ah, super. Bon, bah, on y retourne. Même pas mal. Donc voilà, comme je vous disais, vous partez du point d'arrivée. Moi, je voulais que mon point d'arrivée soit ici, un peu en relevé, hein, par rapport à. Alors ici, j'ai triché. Normalement, comme vous voyez, je prends toujours la partie inférieure de l'escalier et je mets toujours un peu mes escaliers en partie inférieure pour pas que ça spawn dessus, pour pas que ça spawn sur les dalles. Il n'y a qu'un moment où je peux pas, c'est ici. Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un moment où je peux pas, c'est ici. C'est pour donner cet aspect en fait de bombance. Mais ici, en fait, j'ai triché. Comme vous voyez, je suis remonté de 1 pour dire d'arriver sur le rempart et ici, il y aura une grande porte. Il y aura non seulement une grande porte, mais il y en aura une deuxième juste à côté, et c'est pour ça qu'il me faut un double escalier. Donc, vous partez d'ici, et à partir de là, en fait, vous faites. Hop, alors on y va, en vous montrant, ça ira peut-être plus vite. Donc là, en fait, on continue les pylônes, d'accord? Une fois que vous avez commencé ces pylônes, bien repérés, à partir de où? Donc 1, 2, donc c'est le troisième. Donc le troisième, donc voilà, c'est des escaliers. Alors, 1, 2, non, troisième c'est ici. Donc on commence là et là. De là, on remonte de 1. C'est-à-dire qu'automatiquement, celui-là on le pose. Celui-là on ne pourra pas le poser si on n'a pas quelque chose derrière. J'ai oublié de prendre de la terre, évidemment. Bon, alors attendez, parce qu'il faut que j'aille chercher la terre. Hop, aïe. Est-ce qu'il y a de la terre ici? Non. Est-ce qu'il y a de la terre ici? Oui. Ouf, on n'est pas riche, hein. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça là. Alors si je tombe par là, ça va casser. Là, ça ne casse pas. Faudrait que je répare ça. On est reparti encore une troisième fois. Désolé, hein, mais c'est laborieux, mais c'est pour votre bien. Donc voilà. Hop. Donc là, je reproduis simplement l'aspect de base, c'est-à-dire l'arche telle qu'elle devrait être si je la faisais normale. Hop, donc là on est bon. Ici on récupère. Oula. Voilà, je l'ai. Ici je vais. Alors, hop. Comme on voit ici, normalement on devrait récupérer par là. Ah ouais, d'accord. Alors ici. Je fasse de bêtises. Hop, voilà. Pour l'instant, on va le laisser voler dans l'air. Logique Minecraft. Donc ici, logiquement, de 1, donc 2 ici. Donc 1, 2. Ici, logiquement, j'en ai un plus. Voilà. Donc là, derrière, je mets 100. Je ramène. Voilà, ici ça va être pareil, j'en ai deux, donc un ici, et là, hop, et hop, je ramène. Voilà, donc là on est bon, ici
J'aime pas quand c'est trop long comme ça, donc je fais deux petites entailles. Je pourrais les laisser en long, hein, mais le long me dit rien. Alors quand je pars de long, c'est le creux. Si je vous montre, ça fait quoi? Alors attendez. Hop, j'enlève. Je vais vous montrer sinon ce que ça fait. Alors là vous l'avez en normal et là en fait voilà ce que ça fait. Ça donne un style aussi, ça aurait pu être aussi un style de deuxième arche que j'aurais pu faire en quinconce. Moi je préfère quand c'est des petits carrés là, ça fait plus beau, on dirait de la dentelle. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment le même style, hein, deux parties avec des escaliers inversés. Pareil de l'autre côté, sauf qu'on passe à 3 pour dire de pouvoir descendre. Donc voilà. Au fur et à mesure, vous allez voir, on va le faire. Donc ici, par contre, tant qu'on y est. Tac, tac, tac. Alors là, ça va tomber ici, c'est ça? Ouais, je vais peut-être sortir avant. Hop. Alors. J'en ai. Pas ici. Que je vais pas avoir, donc on va mettre déjà ça ici, donc en fait j'en ai planté en trop, c'est bien, ça me fait récupérer de la terre, c'est pas comme si c'était ce que j'avais de plus. J'espère que je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé. Donc voilà, pour que ce soit plus beau ici, on va faire comme ça. Ça rajoute du relief. Moi j'aime bien. Peut-être qu'il y en a qui aimeront pas, mais moi je trouve que ça fait vraiment comme ça. La pilasse. Ici on va remettre, on va replanter tout de suite avant d'oublier. Parce que j'arrête pas d'oublier. Tant qu'on y est. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. Voilà. C'est réglé. On n'en parle plus. Voilà. Ça, je le range. Hop. Donc voilà. Donc là, on a notre pilier qui est mis. On fait déjà deux beaux piliers. Là, il y en aura un nouveau. Ici, je pense. Ici. Bon, bah, tant qu'on est en bas, on va s'occuper de ça. Hop, ici. Donc là, hop. Là, pareil. Là, ok. Et là. Et là, je casse. Ok, pareil, par ici. Alors pareil, ici on va faire, tant qu'on y est, on y va, voilà, je pense qu'on va pas tarder à dormir aussi, hop, voilà, donc là, 1, 2, 3, 3, 4 et 5, en fait c'est comme la pierre, elle ressort un petit peu plus que de la terre battue, automatiquement, des fois vous avez l'impression que je galère à la placer, mais c'est simplement qu'il y a un petit relief en plus, donc elle refuse de se placer. Enfin, un bloc de cobble est plus haut qu'un bloc de terre battu. Hop, voilà. Donc ici. Bah, ça va me donner l'occasion de vous montrer un peu à quoi ça ressemble actuellement. Hop. Donc ici. On est bon. C'est magnifique. Donc vu d'en haut, regardez. Si on regarde d'en haut, voilà ce que ça donne. C'est vraiment beau. Bon allez,
Je vais dormir avant qu'un creeper arrive et nous dégage tout ça. Allez, dodo. Hop, on est reparti. Alors, ici, ça, je le récupère. Donc voilà, pour l'instant, on n'a fait que la première arche. Je vais vous remontrer, désolé, hein, je fais beaucoup d'allers-retours, mais je préfère prendre mon temps et vous montrer bien. Donc voilà, là ici vous avez vu comment on a refait la deuxième colonne. Pour l'instant j'ai tendance à y mettre... Bon, bah, je vais rien y mettre, j'y aurais mis des... Hop, on va se débarrasser de tout ça aussi, tant qu'on est en bas. Donc voilà, on a fait la première arche, reste à faire les deux autres. Je me débarrasse de tout ça d'abord. Ça, ça et ça, je m'en fous. Ça par contre je vais récupérer parce que je vais en avoir besoin. Hop. Hop les... Allez, vas-y, viens. Hop. Donc là, un ici. Alors ici. Ça doit arriver jusque 1, 2 et 3, c'est ça? Ouais, c'est bon. Donc là, on en pose un aussi. Ici, est-ce qu'on est à fond? On est à fond. On pose aussi. Et là, on en pose un. Sachant que c'est temporaire. J'ai une autre idée en tête. Je vous montrerai après comment on va améliorer. Enfin, on va tenter d'améliorer. Alors, on est reparti. Évidemment, fallait partir du haut. Hop, 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 hop. On remonte. Donc, c'est toujours le même pattern. J'espère que vous l'avez compris d'ailleurs. Hop. Donc, ici, je dois arriver là. Donc, 1, 2. De là, on place de la terre et on fait 1, 2. Donc là, on a notre côté. Aïe, c'est pas tombé là où je voulais. Alors ensuite, ça j'en aurais plus besoin. On récupère ça. Donc ici, on fait 1, 2, la petite bombance, c'est ça. Je l'ai fait là-haut. Ouais, je l'ai fait. C'est bon. Ah oui, par contre j'ai oublié de remettre là ici. Voilà, comme ça. Il est pareil, tant qu'on y est, on va le faire tout de suite. Alors là, dans ce sens-là. Ça doit arriver. Donc, hop. Donc, 1, 2. À partir de là, on a celui-là. Par contre, il va falloir celui-là. Hop. Voilà. J'espère que cette fois-ci, je vais le récupérer. Voilà, c'est bon, je l'ai récupéré. Donc, de ce fait-là, maintenant, je mets de la terre ici. Et on va poser 1, 2. Et voilà, on a notre deuxième arche qui est faite. Donc vous voyez, c'est vraiment une idée très très simple, hein. Il y a pas... C'est pas hyper compliqué non plus, c'est pas la mort. Est-ce que je peux récupérer mon bloc? Voilà, merci. Parce que ça demande tellement de trucs que je peux rien me permettre de jeter, quoi. Bah d'ailleurs, on va terminer ici cette arche-là. Donc ici, on est à 1, 2, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ici, évidemment, hop. 1, 2. Ensuite, on met les deux petites plaques. 1, 2. Et on fait de l'autre côté. On récupère de l'autre côté. Donc pour récupérer de l'autre côté, en fait, on va faire ici. On laisse le pied. Alors ça, c'est une particularité par contre de ce coin-ci. J'ai rien cassé. C'est que si vous regardez bien, le pilier en fait a son pied. Normalement je devrais mettre un deuxième escalier mais dans l'autre sens. Je devrais le mettre dans ce... comme ça en fait. Et là si vous regardez il est dans l'autre sens. Mais je trouve que ça donne un style. Alors là on le voit pas très bien avec avec comment dire. Mais là on va le voir un peu mieux. Vous voyez, regardez, ça fait une sorte de boucle enfin. Alors que ça devrait faire plutôt comme ça. Vous voyez? Enfin là aussi ça fait une boucle. Mais voilà, ici ça devrait se terminer comme ça brut. Et là en fait le deuxième nous permet de faire une boucle, ce que je trouve beaucoup plus joli. Et je vais terminer comme ça automatiquement, on verra à la fin. Hop. Tac tac. Donc ici. Hop. Oui, évidemment. Bon, c'est rien, tant pis, on va en profiter pour faire comme ça.
tac, et tac. Voilà, là on, normalement on est bon. Tant qu'on y est, au cas où ça partirait, on va se mettre là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne de face? Ça donne un truc comme ça, mais c'est pas terminé. Et là, de côté... oui, il en manque. Il en manque un là. Ça fait 1, 2. 1, 2 et 1, 2. Ouais, c'est bon. On est bon là. Ça termine comme ça. Donc là, c'est caché de 1. C'est caché de 1, c'est bon. Donc, ça, je vais le récupérer. Voilà. Alors, comme je vous disais, regardez comment ça termine. Normalement, ça devrait terminer comme ici. Tac, tac. Si je faisais vraiment... bah, de toute façon, c'est un peu pareil, hein, puisque ça se termine ici. Mais là, ici, cette partie-là, la particularité, en fait, avec le pied, de reprendre l'escalier dans ce sens-là. Ce qui permet de donner une forme autre pour terminer. Donc voilà, ça vous fait un beau petit escalier, je trouve. Après, quand on est... Alors, sur le côté, c'est vrai que ça fait un peu mastoc. Même si les petits points permettent justement de... ça, j'en veux pas. Hop, voilà. Les petits points, en fait, permettent... permet d'aérer. Là je trouve qu'en dessous en fait ça fait bien aérer, donc ça c'est hyper agréable. C'est pas je pourrais hein, j'aurais pu remplir et tout, faire un mur comme ici sur les côtés, mais je trouve que ça aurait fait moins beau en fait. Là on garde cet aspect naturel et on passe au dessus en fait. Donc voilà, là c'est la première partie de l'escalier et voilà, maintenant on a un escalier pour dire de monter. Bon, ce qui change pas le truc, hein, puisque derrière, il va falloir refaire. Alors ici, je sais pas où je vais m'arrêter. À mon avis, je vais essayer de faire un truc en, en ogive. Dans ce sens-là. Hein, ça va faire une ogive comme ça. Bon, après, pour descendre ici, je peux descendre par là. Par contre, pour monter, ça va être autre chose. J'ai plus d'escalier, là. Ouais, non, j'aurais dû y penser. Ok, donc voilà. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Au moins vous voyez comment j'ai fait. Donc les champs arrivent jusque dans le truc. Donc là automatiquement maintenant ben, il n'y a plus qu'à recommencer en fait. Il n'y a plus qu'à. Donc déjà dans un premier temps on va mettre les escaliers qui vont bien. Hop. Alors que je me trompe pas. Hop, ici. Donc si je regarde bien. Ici, il y en a un qui vient là. Il y en a un qui vient ici. D'ailleurs, je pourrais peut-être le continuer. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je le casse? Je le casse pas? Ça change quelque chose, ça? Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Donc ça, là, ici. Là, ici. J'en ai combien, là, de long? 5? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, 5. Oui, bah oui, puisque le mur, il y a 5 de différence avec les colonnes. Hop. 5. Donc on devrait arriver ici, ce qui nous permet d'arriver sur ce pilier là. Hop, ça je récupère, je remonte le pilier, hop, je pose ma petite lanterne. Bon, à partir de là, j'ai dit je pars du bas. Donc le bas ici il est là, là, et alors il y en a un autre. Ok, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Tac, ici. Après, il y a ici. Et après, hop, il y a ici. Et donc, j'en ai profité du, j'ai profité du pilier pour descendre encore de 1, normalement. Ici, c'est ça? On est bien là-dessus? Ouais, il me semble. Donc, après... évidemment, on reprend ici, voilà, c'est ça. On reprend ici, c'est ça qui nous fait remonter. Et là. Bon, je vais commencer à tirer les marches. Hop, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on va faire pareil. Voilà. Voilà. Ici on fait pareil, on tire les marches sur 5 de large. Voilà, les blés denses. 1, 2, 3. Voilà.
ici c'est pareil, on repart. Là on remonte. Alors après, selon la distance que vous avez à parcourir avec vos murs, vous pouvez très bien agrandir encore. Je veux dire, par exemple, refaire encore deux plus bas. J'y ai même pensé moi à un moment en me disant ça sera peut-être un peu plus direct. Mais voilà, enfin je veux dire, il y a moyen de garder le design, mais de faire que ça chute un peu plus. Hop. Ici. On peut même faire des ponts hein, d'ailleurs avec ce design, puisqu'il suffit de rester à la même hauteur, c'est tout. Hop. Ici pareil. Bon là c'est la nuit. Ouais, c'est la nuit. On va dormir pour la faire passer. Voilà. J'espère que ce contenu vous plaît. Je pense pas toujours à le dire, mais si vous aimez le contenu que je fais, hein, évidemment, si vous aimez pas, ça se pose pas. Mais si vous aimez, automatiquement partagez, likez, laissez-moi un com pour me dire ce que vous en pensez. C'est toujours agréable. Évidemment, parlez de la chaîne autour de vous. Je suis désolé. Hein. Je suis en même temps, j'essaie de penser. J'arrive pas à faire deux choses. Je ne suis qu'un homme. Hop. Donc, ouais, parlez de cette chaîne. Essayez de faire partager parce que je manque cruellement de visibilité. Alors après peut-être que c'est mérité, hein. Peut-être que mon contenu n'est pas intéressant, mais voilà. Depuis le nombre d'années où je fais du contenu, voilà. Alors ici par contre, on va avoir la particularité de... Hop, on est passé. Alors ça ici, ouais. Alors ici par contre, on va casser toute cette... Voilà. Et donc de ce fait-là, vu que... Hop, c'est pas la peine de sacrifier de la terre pour rien. Ce qu'on va faire, on va remplacer tout ça par de la cobble, vu que ça ne se voit pas. Hop, voilà. Donc on met ça là, tac tac. Les sources c'est toujours un peu embêtant. On met ça là, et on met notre dernière marche. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on sait à peu près où vont tomber nos marches. Enfin, du moins, pas nos marches, mais nos piliers. Donc déjà, il y en a un qui va arriver là. Vous pensez que je me suis embêté à faire tout pousser. Tout ça pour tout défoncer. Hop. Hop. Bon après il fallait savoir que ça allait tomber. Hop. Bon là on est bon. Ok là on est bien. Hop. Non. Hop, voilà. Un pilier de plus. Donc là on est bon. On ira voir après en haut. Il y en a un deuxième qui doit tomber ici. Voilà, ici. Donc ça tombe là, hop, je récupère, ça avait le temps de pousser quand même. Hop, pourtant je l'ai fait juste avant de faire l'émission. Hop, donc là, pareil, on casse. Voilà, ça on a récupéré, hop. Première fois que j'arrive à grimper sans casser tout. Alors, ici. Hop, hop. Non. Ça va devenir compliqué. Ouais, ça va devenir très compliqué. Bon, c'est rien. On va passer là. Hop.
Ouais, parce que pour vous, vous avez l'impression que je fais n'importe quoi, mais en fait, sachez que avec les hitbox du blé, c'est pas facile à poser. Comme en plus, vous avez des décalages de relief entre les différents blocs. Non, pas comme ça. Voilà. Donc en fait, ça complique un peu la pose. Voilà, là on est bon. Tac-tac. Ouais. Et ouais. Ouais. Bon, voilà, là on est bon. Ensuite, il y en a un dernier ici. Alors ici. Ici, il est là. Non, il est pas là. J'ai fait n'importe quoi. Oh, quoique. De toute façon, non, c'est pas n'importe quoi puisque la première marche, en fait, c'est dans ce sens-là. D'accord, donc en fait il tombe bien juste là pour m'embêter. Juste au moment. Ok, donc il y a ça, il y a ça. Et il y a ça. Alors, ici. Comment je fais? Déjà on va poser ça ici. On va poser ça là. Normalement, je devrais en poser un là, je vais pas le faire. Pourquoi? J'ai pas envie de casser la source. Si je casse la source, je risque de... Oh, quoique. Ouais, non. Ce sera pas gênant, gênant. Bon, attendez, on va voir déjà comment ça fait là. Hop. Hop. Ok, donc là si je casse, je peux pas remettre aussi le... C'est bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Et ça fait vraiment bizarre si je fais comme ça. D'ailleurs, je me suis trompé. C'est pas comme ça. Non, non. C'est pas comme ça du tout même. Ah ouais, d'accord, ok. Ça va être encore plus compliqué que ce que je pensais. Oh punaise, j'ai cassé. Tu vas voir que j'en ai pas d'autres. Ok, autant pour moi. Donc ici, ici. Là, là, faut que j'aille chercher un ustensile. C'est laborieux, hein, comme vous voyez. Tant pis. 1, 2. Hop. Non. Ah non, je les ai sur moi. Je suis. Maintenant que j'y suis, ici, je peux mettre ça et ça. Là, non, c'est pas avec ça. C'est ici. 1, 2. 3. Voilà, comme ça s'est fait. Voilà, ça, je vais le mettre là parce que je vais en avoir besoin. On va manger, on va en profiter. Alors autant vous dire que je suis plus embêté avec la nourriture, hein. Le blé j'en ai à foison. C'est bon. Ici. Ici je fais ça. Donc si je m'écoute, normalement je devrais poser ça là. Mettre ça ici. Ça fait vraiment pas beau. Je devrais casser ça, mettre ça là. Mettre ça là. Alors comment je peux faire? Ici, si j'ai envie de planquer ça. Là, si je casse, normalement ça saute. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Par contre, je peux laisser la source d'eau, c'est pas un problème. Mais je peux plus reposer, c'est ça? Non, je peux plus reposer. Ça fait bizarre hein, si je mets ça. Si je fais ça. Et si je fais ça.
Alors, ouais. Ici, ça tombe pas au même endroit, donc j'en aurais pas besoin. Ok. Ouais, non, ça fait bizarre. Vaut mieux que j'en laisse pas. Alors ici par contre ça me... je suis pas d'accord. Là ici pareil, c'est, je suis pas d'accord non plus. Je veux pas qu'on voit de cobol ici. Alors qu'est-ce que j'ai sur moi? Est-ce que j'ai du grès là-bas? Hop. Il y a quoi là ici? Non c'est bon, ça pousse. Alors grès taillé, grès sculpté, c'est ce que j'ai. Du grès logique, normal. Hop, on va mettre un 2. On va tricher, on va mettre des blocs. Donc ça aussi, hein, vous le verrez, enfin, là je pinaille. Parce que en fait, c'est un truc que personne verra vraiment, quoi. Hop. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre un de plus. Parce que j'ai oublié celui-là. Hein. Voilà. Voilà, je l'ai récupéré. Alors en fait il m'en faut un de plus. C'est là où on est content d'avoir les coffres juste à côté. Sauf que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Voilà. Alors. Hop. Et là, je peux mettre celui-là du dessus. Voilà. On va dormir avant de se faire éclater. Ouais, on va dormir avant de se faire éclater. Et il est où mon lit? Oula. Oula oula. Je l'ai laissé où? Bon, bah on va se faire éclater. Je l'ai laissé sur les marches, normalement. Non mais t'es sérieux? J'ai fait quoi du lit? Oh c'est pas vrai, j'ai encore paumé un lit. Ouais bon bah c'est tout. Ça va devenir compliqué pour la suite. J'ai dormi où la dernière fois? Oh zut. Bon, tant pis. On va espérer ne pas se faire tuer. Non, mais t'es sérieux, je l'ai mis où ce lit? Alors là, il n'y a rien. Non plus. Non, mais c'est normal. Alors, 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Tu vois, j'ai un creeper qui va me tomber dessus à un moment. Ça va pleurer, mais quelque chose de bien. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on va aller se mettre là à côté. Voilà. Alors cette fois-ci, on fait attention, on le récupère, voilà c'est bon, c'est récupéré. Sérieux? J'en ai fait quoi? Faudrait que je regarde la vidéo. Bon, de ce fait-là, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre un niveau. Alors ici, il me manque un truc par contre. Il me manque ici un escalier. Comme ça, on est bien. On est bon. Ici, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque ça. Voilà, on est bon. Alors ici, on monte aussi à niveau. Donc, je reprends mon grès sculpté. Hop. Et là, on va remettre par ici. Ce sera l'unique entrée. Hop.
on est bon. Et là-haut, on était déjà bon. Bon, ok. Donc ici, on récupère. On va remettre nos dalles. Ok. Ça, normalement, j'en ai plus besoin. Je vais prendre de la terre. Alors, ici. On était parti sur du 1, 2, sans rien. Ok. Donc 1, 2, sans rien. Donc c'est ici, ici. Hop. Hop. À partir de là, je mets 100. Et je fais remonter. Tac, de 1. Je récupère tout de suite ma terre. Je mets ça là. Et là, je pose ça au milieu. Et je mets ça au-dessus. Ensuite, ici. C'est pareil. 1, 2. Là, je peux faire comme ça. Et on remonte de 1. Pareil. Je repose ici et ici. Voilà. Normalement, j'ai ma petite arche. On verra ça par la suite. Là, on repart. Donc, dans ce sens-là, on se dit. Ça arrive ici. Donc, celui-là et celui-là. Donc là je pose, je resélectionne, hop, des escaliers, et hop, je pose là. Ici on décale de 1, ici on met les dalounettes, voilà, on récupère tout de suite ça, ok, alors ici, on va pas se tromper, il n'y en a qu'un, donc là, et là, je pose mon bloc, je remonte de 1, je pose mon bloc, je remonte de 1, voilà. Ok. Bon voilà, on est bon. Normalement, on a le deuxième. Enfin, j'espère. Ça va, on a tout là. Ouais. Ouais, puis ça fait mignon. Alors, c'est pas très pratique, hein, puisque il y a cet effet de vague, mais voilà. Ça évite de dévaler tout l'escalier comme ça d'un coup. Alors, par ici. Par ici, par ici. Par ici, déjà, on a ici. Et ici. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, là, on va remonter de 1. Hop, et hop. Là, on est bon. Ensuite, je pose. Je pose. Et je mets entre deux. Là, je récupère. Ici, c'est pareil. On est donc dans ce sens-là. Il n'y en a qu'un. Hein, c'est le truc que je vous avais dit. Hein, c'est parce que le deuxième, en fait, serait au niveau du pilier. Donc voilà. Là, je remonte. Ouais, c'est comme ça. Il y en a un deuxième. Et là. Je remonte de 1. Et pareil, je repose. Voilà, et on est bon. Voilà. Hop, donc là on est ok. Voilà, on a l'escalier. Donc comme vous voyez, ce que voilà un peu l'aspect que ça donne. Je trouve que ça suit bien avec le reste de la... Le fait d'avoir repris le pattern des fois, comme quoi c'est bête hein, de faire un escalier ou un pont. On n'y pense pas toujours, mais des fois le fait simplement de reprendre un motif permet de se simplifier les choses et en fait ça donne une cohérence au niveau de la construction. Ça paraît pas aberrant. Bon alors là c'est du gros gros escalier hein, quand même. Enfin aéré hein, quand même. Voilà. Je vais pouvoir lever le camp et aller de l'autre côté. Donc là après il n'y aura plus que les grandes le grand hall à faire, enfin grandes entrées qui donnent sur la forteresse. Voilà. Et donc là on remonte tranquille pour arriver ici. On montera dans la première partie, enfin la deuxième partie en fait de la muraille. Donc la muraille, je pense qu'elle sera en trois parties hein. Il y aura partie inférieure, à partir de là il y aura certainement un toit, la partie là supérieure du premier étage, et il y aura un deuxième étage juste au dessus avec des colonnes pour qu'on puisse prendre notre envol en élytra. Parce que bon, c'est censé être une cité des anges quand même. Donc normalement, pas d'animaux, enfin pas besoin de chevaux dedans
d'autres moyens de locomotion, en fait, normalement, c'est plutôt les Elytra qui devraient être utilisés par les habitants. Et en plus, on domine tout le secteur. Et là, on a quand même de sacrées marges, quoi. Qui donne. Est-ce que ça vaut le coup hein, que je le laisse comme ça? Ouais, quand même. Ouais, si ça va marquer la différence. Ça peut toujours être intéressant. Je mettrai pas des trucs en bois là pour éviter aux gens de passer à côté. Ouais, oh, non. Bon, allez, non. On va pas compliquer le truc. Encore que des trucs en bois, ça pourrait être sympa. Je mettrais bien des petits croisillons à certains endroits. Ouais, mais ça risque de casser la symétrie et tout le reste. Bon, de toute façon, on va casser la symétrie quelque part. Des croisillons comme ça en fait, enfin comme ça ici, les mettre sur ces petits points là pour éviter que les gens passent à travers. Mais bon, après avec 5 de 5 de large, faut vraiment vouloir se retrouver juste ici et tomber ici quoi. Faut le faire exprès hein. Là il faudrait que je fasse des petits chemins, un qui mène ici, un peut-être qui mène par ici. Voilà. Donc en gros, voilà ce que ça donne au niveau de l'escalier. Hein. Là, ça fait de l'escalier. Ouais, là, c'est du gros escalier quand même. Et après, on va voir. J'aimerais bien mettre là où il y a des lampes, mettre des statues. Vous verrez, on va travailler sur un design de statues. Enfin, je travaillerai en dehors de la construction sur un design de statues. Et puis je reviendrai vers vous une fois que je l'aurai designé et que je l'aurai trouvé pour vous montrer un peu le principe. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. De toute façon, j'ai plus trop grand-chose à vous dire. De dos, ça va pas le faire. Voilà, de face, c'est quand même un peu mieux. Donc voilà comment j'ai trouvé le design et j'ai fait le design en fait de l'escalier. Et en plus, on l'a fait ensemble. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît, comme je vous ai dit, hein, likez, partagez. Et puis, parlez aussi de cette chaîne, hein, parce que j'ai pas l'impression que le bouche à oreille fonctionne vraiment très très bien. Allez, je vous dis salut, à bientôt. Bye bye.